Bienvenue à tous chez Thérapsy Capsule, la chaîne qui vous veut du bien. Ici Vanessa, je suis psychopraticienne certifiée en hypnose, PNL, DNR, variante de l'EMDR. Je suis aussi thérapeute conjugale et familiale. Aujourd'hui, nous allons parler de personnalités bien particulières et de leurs différences. Je vais vous aider à distinguer ce qu'est un ou une psychopathe d'un ou une pervers narcissique, pour voir l'intérêt des deux, puisque ce n'est pas tout à fait les mêmes réactions que vous devez avoir dans les deux cas, et la dangerosité n'est pas la même, même si ces deux types de personnalités sont extrêmement dangereux. Alors, de quoi parle-t-on aujourd'hui? Une personnalité psychopathe. On parle souvent dans les films, quand on voit des serial killers, on parle de sociopathe, de psychopathe. Quand on a quelqu'un de notre entourage particulièrement perturbé et perturbant, le langage commun parle souvent de psychopathe. De quoi s'agit-il exactement? Déjà, en matière de psychiatrie, notamment la psychiatrie américaine parle de personnalité antisociale. On emploie très peu les termes de psychopathe ou de sociopathe. Si on devait faire une différence entre les deux termes, le psychopathe, le ou la, je ne le rappellerai pas, ce serait une personne qui est née comme ça, contrairement au sociopathe, qui aurait développé ses caractéristiques à cause d'un environnement particulièrement toxique dans l'enfance. De quoi parle-t-on exactement et quelles sont les différences avec un pervers, un ou une pervers narcissique? Un psychopathe, c'est quelqu'un déjà qui n'a pas un cerveau qui présente les mêmes configurations que la population générale. Les psychopathes sont à peu près 1% de la population. Si on fait de l'imagerie cérébrale, si on regarde dans leur cerveau, il y a des zones qui sont liées à la régulation des émotions, à la capacité à ressentir certaines émotions qui sont sous-développées, notamment la zone de l'amygdale. L'amygdale, ces deux petites amandes dans le cerveau, et c'est la zone responsable du signal d'alerte. C'est ce qui me permet d'être activée en cas de situation de danger. C'est ce qui va me permettre notamment de ressentir de la peur. Les gens qui souffrent de psychopathie ne ressentent pas la peur ou quasiment pas. Ils peuvent en avoir une connaissance cognitive, c'est-à-dire se représenter mentalement ce qu'est la peur, mais par contre, leurs capteurs biologiques, leurs éléments biologiques ne leur indiquent pas qu'il y a de la peur. Ils ne le ressentent pas dans leur corps. Imaginez les conséquences. Ces personnes, donc, ont un sous-accès à leurs émotions. Ils ne ressentent pas la peur, ils ne ressentent pas l'empathie, ils n'ont aucun scrupule, absolument aucun sens moral. Ce sont des personnes qui sont particulièrement impulsives. Ce sont des gens qui vivent moment par moment pour satisfaire leurs besoins. Ils n'ont absolument pas de sens de la planification. Ils ne sont absolument pas capables de se projeter dans le futur. Ce qui compte, c'est de satisfaire leurs besoins immédiats. Ce qui revient beaucoup quand on interroge des psychopathes, et je rappelle à cette occasion que la plupart des psychopathes ne sont pas nécessairement des criminels. Tous les psychopathes ne tuent pas des gens. C'est une minorité qui va passer à l'acte. En revanche, tous les psychopathes, le ou la, ont des difficultés avec la loi, avec l'intégration des règles, depuis le plus jeune âge. Tout simplement parce qu'ils ne ressentent pas des émotions qui nous aident à nous socialiser. C'est parce qu'on ressent de la peur, des conséquences, de la culpabilité, de l'empathie qu'on ne passe pas à l'acte. Eux n'ont absolument pas ces freins-là. Ça donne des personnalités extrêmement dangereuses, extrêmement impulsives, qui passent à l'acte très facilement, qui sont calculateurs, qui sont extrêmement charmants, extrêmement agréables, qui sont capables de mentir comme des arracheurs de dents, et eux, leur langage non verbal corrobore ce qu'ils sont en train de dire. Donc ce sont des menteurs qui sont très difficiles à dépister. Le pervers narcissique, le ou la, encore une fois, par rapport au psychopathe, c'est pas du tout. Alors, ils ont des traits communs. Les traits communs, c'est l'absence d'empathie,
Les traits communs, c'est le fait de faire du mal, c'est le fait de nuire, c'est le fait d'être content ou d'être satisfait de nuire. Les points communs, c'est le besoin de contrôle absolu sur l'autre, c'est le besoin de pouvoir, c'est le besoin de profiter des gens. Les points de divergence majeurs, c'est que le pervers narcissique, il est extrêmement sensible à son image sociale. L'opinion des autres compte extrêmement pour lui. C'est quelqu'un qui va plutôt respecter la loi ou en apparence respecter la loi. Il n'a pas du tout envie d'être cloué au pilori, d'être dans les journaux, de faire la une des journaux pour dire qu'il a fraudé. Ça, c'est pas du tout quelque chose qui l'intéresse. Lui, ce qui l'intéresse, c'est d'obtenir tous les avantages, mais de ne rien risquer pour lui. Un psychopathe, ce qui va le caractériser, c'est qu'il n'en a rien à faire de l'opinion que vous avez de lui. Il n'en a rien à faire des autres. Il n'a absolument pas peur de ne pas respecter la loi. Il n'a pas peur des conséquences. L'idée de sa propre mort, d'être arrêté, d'être en prison, ne le fait pas frémir. Il ne ressent rien. Le psychopathe, c'est la personne qui va tuer quelqu'un, qui va la mettre dans le coffre de la voiture, qui va être arrêté par la police, et qui ne ressentira rien. On a interrogé un certain nombre de gens comme ça, et ils disent, ben voilà, je me suis fait arrêter, mais moi, je n'ai pas ressenti ni d'accélération du rythme cardiaque, ni de sueur, ni de sudation, ni de chaleur, absolument rien. Du coup, ça fait que leurs passages à l'acte sont beaucoup plus graves, beaucoup plus nombreux que pour les pervers narcissiques. Les pervers narcissiques s'arrangent pour que l'autre porte le chapeau, ils ont une vraie stratégie, ils ont un sens de la culpabilité. Ils la ressentent, mais ils l'expulsent tout de suite sur l'autre. C'est-à-dire qu'à leurs propres yeux, ils vont justifier de ce qu'ils font en disant et en pensant que c'est l'autre qui est responsable. Le psychopathe ne s'occupe pas de ça. Il ne se sent absolument pas coupable, donc il ne va pas essayer de coller la responsabilité sur quelqu'un d'autre, sauf si ça peut servir ses intérêts. Les psychopathes sont des gens qui sont des parasites, qui vont chercher à profiter de tout et de tous. Comme les pervers narcissiques, ils considèrent les autres comme des objets utiles, comme des objets agréables, comme des objets qu'on peut casser. On a interrogé un certain nombre de tueurs, de gens qui avaient assassiné des personnes, et en fait, ils justifient leur acte par des choses extrêmement triviales. C'est par exemple, l'un d'eux disait, ben voilà, j'étais dans la queue, il y a un autre détenu qui m'a légèrement bousculé, je l'ai battu à mort, ben c'est tant pis pour lui. Le psychopathe, pour lui, il est justifié et il s'en fiche un peu, il n'a pas besoin de réfléchir aux conséquences de ses actes pour dormir. Pour lui, c'est exactement comme écraser un moustique. Il n'y a absolument pas cette préoccupation pour la vie humaine. Il n'y a absolument pas cette idée de paraître intact et d'avoir une image sociale conforme. Le pervers narcissique, lui, se fiche de la vie des autres, mais il ne veut pas être pris. Il ne veut pas avoir l'air pour quelqu'un de pas bien. Il veut garder une image relativement blanche. Et du coup, ça va créer un frein par rapport à ce qu'il pourrait faire. Il ne passe pas à l'acte, forcément, pas parce qu'il a de la considération pour d'éventuelles victimes, mais parce qu'il a peur des conséquences. Le psychopathe n'a absolument pas ces freins-là. C'est Robert Hare, H-A-R-E, qui en parle extrêmement bien dans un ouvrage de référence. Et il explique tous ces éléments. Donc, pour reconnaître un psychopathe, c'est quelqu'un qui, très tôt dans la vie, dans la petite enfance, c'est par exemple un enfant qui est au jardin d'enfants, a poignardé avec le couteau de la cantine la dame parce qu'elle ne le servait pas assez vite. Ça, c'est de l'âge de 4-5 ans. Ce sont des gens qui, très tôt dans leur vie, ont commis des actes contraires à la loi, souvent des actes violents, des gens qui ont causé des incendies, par exemple, qui ont commencé à torturer des petits animaux, qui ont commencé à tester leur pouvoir, comme ça. C'est absolument incurable, puisque malheureusement, leur cerveau est configuré comme ça et on ne peut pas faire grand-chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que les passages à l'acte, criminels notamment, ne sont pas nécessairement la règle. Ils vont chercher les limites, ils vont avoir du mal toute leur vie à respecter les règles, mais des études ont montré que 25% des PDG d'entreprises très importantes ont des traits psychopathiques, parce que dans beaucoup d'entreprises, les traits psychopathiques
oser tout, être très charmant, avoir la capacité de bien s'exprimer, n'avoir aucun scrupule, être capable de, voilà, de tout parier sur un coup de dé, c'est extrêmement valorisé dans nos sociétés. Donc, c'est des gens qui vont détruire les autres, marcher sur des têtes, tromper, trahir, mentir et qui vont avoir des promotions parce que du coup, ils font le sale boulot extrêmement facilement. Ils n'ont absolument aucun scrupule et donc, on peut les utiliser avant d'être utilisés par eux parce qu'ils finissent toujours par tirer les ficelles. C'est des gens qui sont aussi d'excellents parasites. Ils vont profiter de tout ce dont ils peuvent profiter en termes d'argent, en termes d'environnement, en termes de relations. C'est des gens qui ont souvent une sexualité déviante ou très violente. Les pervers narcissiques aussi, mais les pervers narcissiques, c'est pas la même chose. C'est pas nécessairement structurel, même s'il y a des pistes génétiques. C'est surtout des gens qui ont une fragilité intrinsèque qu'ils compensent avec de la grandiosité, avec le fait de dominer les autres, avec le fait de les écraser, et qui projettent toutes les mauvaises parts d'eux-mêmes sur quelqu'un d'autre pour s'en débarrasser. Mais ils ont quand même une conscience à minima des mauvaises parts d'eux. Ils s'occupent juste de ne pas le voir. Le psychopathe, absolument pas. Le psychopathe, il est capable de tout et n'importe quoi. Son impulsivité est énorme. Ted Bundy, qui est un serial killer très célèbre, le disait au moment de son exécution en 1989, il disait « il faut que la société se protège de gens comme moi » et quelque part, ce qui lui arrivait, c'était la seule façon de le freiner. Ils ne sont pas curables, malheureusement, parce que c'est intrinsèque, leur biochimie cérébrale, la façon dont leur cerveau est organisé les pousse à ça. Ils manquent d'émotions, ils ne sont pas capables de ressentir de la compassion, de la gentillesse, de la peur, du remords. Absolument pas. Ils ressentent des choses très superficielles. Ils sont surtout frappés par l'ennui. Et du coup, pour contrevenir cet ennui, ils vont commettre des actes qui sont excitants pour eux. Pour eux, par exemple, traverser un aéroport avec plein de drogue sur soi, c'est excitant parce qu'il y a du risque. Ils vont chercher systématiquement le risque. Ce sont des gens qui ne supportent pas la frustration. Donc, à la moindre frustration, ils vont chercher à se venger, à punir de façon totalement disproportionnée. Bien sûr, ils ont énormément de points communs avec les pervers narcissiques. La grandiosité, l'absence de remords, l'absence de culpabilité, la domination, le contrôle, le fait de faire du mal, le fait de détruire, le fait de profiter. Mais c'est en pire. C'est-à-dire que si vous décryptez qu'une personne est psychopathe dans votre entourage, fuyez à toutes jambes. Là, il n'est pas question de rester, vous allez beaucoup souffrir, vous courez un très grave danger et il faut arrêter ça immédiatement. La même chose est valable pour le pervers narcissique, mais avec un degré moindre. Bien sûr, ce sont des gens très destructeurs, mais le danger immédiat de mort est quand même moins important. Je vous embrasse.